Yo les amis, c'est The News Naruto. Alors je vous retrouve pour le 13ème épisode des Replay Ninja. Alors dans notre premier combat, nous aurons Takano Jinga avec Sasuke Taka, Rock Slam en offensif et Tenten en mode défensif. Et il va affronter Kado Sasuke avec Sasuke jeune, avec Itachi en mode défensif et Sasuke en mode offensif, pardon, et ce sera le clan Uchiwa. Donc déjà le combat a déjà commencé. Le Enton qui passe du côté de Sasuke. Sasuke jeune. Allez, le Sasuke Taka qui enchaîne. Ou plutôt Sasuke Susanoo, j'ai envie de dire. Allez, là, ça, c'est un peu cafouillé. Là, le Sasuke jeune enchaîne. Là, le Rock Lee qui ne passe pas. Là, le Sasuke qui tente de dasher, mais c'est le jeune qui le rattrape. Le jeune fait un incliné. Shuriken. Lancé de parchemin qui passe du côté de Sasuke Susanoo. Oh la chope, Itachi voulait faire un katon sur Sasuke Susanoo, c'est pas passé. Ah là, le Sasuke utilise sa permutation automatique. Allez, le Rock Lee qui ne passe pas, le Shuriken lancé. Et là, le Sasuke jeune qui enchaîne et il passe avec son Enton. Et ça combine dans l'air qui est déjà passé. Allez, le Itachi qui ne passe pas, la Tenten non plus, ça lance des Shuriken à tout va, le parchemin explosif qui passe. Allez, là, le Sasuke Susanoo qui enchaîne à protéger. Allez, il réenchaîne en l'air. Allez, c'est Sasuke jeune qui enchaîne. Allez, les deux qui dash. Mais là, le Sasuke jeune avance son parchemin. Brise-garde du parchemin. Allez, tentative de TF. C'est passé. Non, la TF n'est pas passée. Incliné qui ne passe pas. Le Katon non plus qui n'est pas passé. La Tenten qui a été permutée de la part de Kado Sasuke. Allez, le Susanoo qui enchaîne. Et c'est passé. Le combo complet qui est passé. Allez, l'aérodash. Le premier soutien n'est pas passé du côté de Sasuke jeune, le deuxième non plus, ça enchaîne, et la chope, vous pouvez voir déjà que la chope est fluide. Donc voilà, allez, le petit pluie de shuriken du côté de Sasuke Susanoo. Allez, là, ça dash, ça contre-dash, avec les défensifs qui vont partout. Et là, le cas de Sasuke qui recule, ça dash, le Enton du soutien n'est pas passé, et la chope qui est passée par contre pour Sasuke. Sasuke jeune plutôt. Ah, cette fois-ci c'est lui qui a la garde brisée et la Tenten a réussi à le toucher dans ces conditions. Oula, il y a beaucoup de défensifs. La chope encore une fois. Histoire d'éliminer le défensif et de prendre le joueur. Là ça enchaîne du côté de Sasuke Susanoo. Sasuke Susanoo qui enchaîne. Voilà, là, il enchaîne un peu dans le vide avec un ninja move. Le Katon qui est passé. Et lui aussi qui est passé. Oh là, ça va être très chaud là. Au niveau de la vie, Sasuke n'a pas l'avantage. Ouh là là, une petite esquive plus chope. Et là, je pense que au niveau de la vie, il y a égalité. Lancer de shuriken, dash. Sasuke jeune enchaîne. Allez là, ça ne passe pas. Brise garde, la chope. Est-ce que ça va être fini? Une goutte de vie, shuriken permuté. Il recule, et le katon qui est passé. Le katon qui est passé, et c'est terminé. Ouh là 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 là, Kado Sasuke qui a gagné avec une seule goutte de vie. Ah, c'était très très chaud, mais très bien joué de la part de Kado Sasuke. Où c'était un très beau combat. Et on va passer au combat suivant. On va passer au combat suivant avec Necrodark qui joue avec Tobi et Sasuke. Sasuke Susanoo. Hein. Je pense qu'il l'a pris pour son temps de réapparition qui est très rapide. Et Dovahkiin X38 qui a fait Naruto Sennin et Pain en mode offensif. Donc déjà le Susanoo qui le Enton qui est passé. Il nous joue dans le repère de Uchiwa bien évidemment. Et le Naruto qui enchaîne. Ninja move. Ouh, ah oui d'accord, il voulait faire le ninja move avant, mais il a permuté, mais il s'est pris le Rasengan quand même. Ah, il a des deux dashs, encore des dashs. Ou le Pain a été viré du côté de Naruto grâce à Sasuke. Et là, le Tobi qui enchaîne en l'air. Et là, Naruto tente d'enchaîner, c'est vrai qu'il a encore un corps pas facile. Et encore une fois, Sasuke qui vient à la rescousse de Tobi. Hein. Et là, le Tobi qui enchaîne. Ouh là là, il est un peu faible sur le combo. Ah là, c'est pas passé. Encore une fois, Sasuke. Ah, il est omniprésent dans le combat. Hein. On pourrait même carrément dire que c'est un match handicap du côté de Dovahkiin. Et la garde brisée. Et encore une fois, Sasuke vient le sauver. Ouh là là. Garde brisée pour Naruto. Et le jutsu champ de mine qui est passé. Et la chope qui est passé aussi pour Naruto. Oh, la Necrodark a quand même un léger avantage, on va dire.
Allez, tentative. Ouh, tentative de test, et j'allais dire en même temps tentative de chop, et c'est passé pour Necrodark. Aïe 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 aïe. Alors pour l'instant, Dovahkiin n'a pas de chance sur ce combat là. Il se prend beaucoup de Sasuke, il n'arrive pas à passer sa TS. Aïe 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 aïe. Ah, il faut qu'il revienne là, il faut qu'il revienne, ça va être chaud pour lui. Oula, par contre, ça c'était bien joué. Ninja Move pour esquiver et c'est passé pour Pain. Et le Rasengan qui est passé avec le renvoi de Pain. Ah, il a rechargé son chakra, il a pas voulu se lancer. Ah, il a dash encore une fois Sasuke Susanoo qui vient empêcher Naruto. Ah, il a sa dash, sa contre-dash. Voilà le Naruto qui enchaîne, le fail, ou encore une fois, le Susanoo, je sais pas combien de fois le Susanoo a fait son apparition. Tentative de test, la TS à 2, la TS à 2 qui est passée cette fois-ci, c'est passé. Ouh là là, ah là c'est passé une fois mais pas deux fois, est-ce que c'est terminé? Oh, il a pas de chance, une goutte de vie encore une fois. Aïe 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 aïe, allez, il faut que Dovahkiin tue le match. Ah, il passe en mode éveil, il passe en mode éveil, ouh là 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 là, ça va être chaud. Ça va être très chaud là. Ouh là là là, le Pain va le terminer. Non, il l'a pas terminé. Shuriken. Katon. Ouh, il s'est pris le Katon. Tentative de Rasengan. Ouah. Tentative de Rasengan contrée immédiatement par un dash. Et il a fait l'incliner pour terminer le tout. Ouh là 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 là. Dovahkiin n'a vraiment pas eu de chance. Je pense qu'il aurait mérité la victoire. Mais c'est quand même très bien joué de la part de Toby là. Tu jouais l'avantage qu'il avait avec son Sasuke Susanoo, donc très bien joué de la part de Necrodark. Et dans notre dernier combat, on va avoir un Dark Faucheur avec Sasuke Taka. Et tout à l'heure j'ai dit Sasuke Taka, alors c'était Sasuke Susanoo. Sasuke Taka avec âme masquée et Itachi en mode offensif. Et TTI Mark Liner avec son Minato habituel, hein, je viens de dire. Tsunade en mode offensif et Shizune en mode défensif. Donc déjà le combat a commencé et on est dans le conseil des 5 Kage. Donc alors là c'est un peu le cafouille, là Sasuke Taka qui enchaîne. Et cette fois-ci c'est Itachi, c'est Minato. Et là le parchemin pour durer la défense. Il enchaîne, maintenant c'est Minato qui enchaîne, incliné. Le Katon qui est passé du côté d'Itachi. Et là ça enchaîne, la chape qui est passée de la part de Dark Faucheur. Et le dash de Sasuke. La Minato qui enchaîne en l'air, il a surpris Sasuke. Ouh, la Tsunade qui est passée, ça réenchaîne en l'air, Sasuke qui enchaîne, Minato qui enchaîne, et c'est passé, combo complet. Ouh, il a même voulu utiliser Itachi, ça ne fonctionne pas, et il s'est fait avoir par la Shizune. Et le double incliné, alors lui c'est vrai que c'est un véritable spécialiste de l'incliné de Minato, il peut te faire ça à la vitesse de la lumière. Et là, le Tsunade qui est passé, Minato qui réenchaîne dans l'air, oh là là, il a fait beaucoup de dégâts là, il a fait vraiment beaucoup trop de dégâts. Et le Dark Faucheur. Allez, le Dark Faucheur qui enchaîne, là, le McLainer là qui fait permuter sur des shurikens. Ah, là, il faut qu'il en profite, il a plus de permute. Ah, là, qui réenchaîne, Sasuke qui enchaîne. Les mille oiseaux qui sont passés, il a quasiment rattrapé, il en a profité. Ouh, il voulait peut-être passer en mode éveil, mais il a balancé sa pluie de kunai. Tentative de TS, la TS à 3 qui n'est pas passée, le Katon non plus, avec le renvoi, la TS, est-ce que ça a passé? La TS à 3 qui est passée. Ouh là 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 là, il a pris très cher, il voulait faire la TS à 3, il s'est pris le Itachi avec le renvoi, et je pense que c'est terminé, c'était un combat grandiose, c'était extraordinaire, c'était plus technique que bourrin. Donc très bien joué de la part des deux et surtout bien joué de la part de Dark Faucheur. Donc voilà, j'espère que ce replay numéro 13 vous a plu. Si vous voulez passer, il faudra me proposer des combats de qualité et pas non. Alors il faudra me proposer des combats où il n'y a pas de perso entre guillemets, je dirais abusé parce que cheater n'est pas dans mon vocabulaire. Pour moi ça n'existe pas, des persos trichés. Des persos, si vous combinez des Hidden Pain, des Hidden Tsuchikage, des Anko Tsuchikage et compagnie, que ce soit vous ou votre adversaire, je ne prendrai pas. Faudrait qu'il non plus qu'il n'y ait pas de spam, ça c'est logique parce que je joue des beaux combats, et pas non plus que ce soit, j'ai envie de dire, excusez-moi du mot, je n'ai pas envie que votre combat soit un viol total. Donc voilà. Et si vous avez si vous avez toutes ces qualités là, si vous avez toutes ces conditions, vous me prévenez par message privé Xbox ou sur mon topic GVC ou sur YouTube.
vous me prévenez et je regarde. Et vous me donnez votre gamer tag. Donc voilà. Moi, je vous dis à la prochaine et salut tout le monde!